Hop là, on relance la VOD, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une deuxième session, toujours en live, sur Endless Donjon, l'Open Dev Final Rodeo. Et on vient de débloquer du coup la boisson punch poivrée grâce à notre dernière victoire, qui donc améliore les dégâts des tourelles, améliore la défense des tourelles, mais fait que la tourelle s'inflige ses propres dégâts. Ça pique un peu quand même, hein. 100% de ses dégâts, j'aurais espéré à un 50 ou à 70 quoi. Je suis content que personne n'ait remarqué qu'il y avait une recette à débloquer à l'usine stratégique et que, comme j'ai pas voulu une... peut-être la dernière porte où elle était. Ouais, voilà. Bah écoute, on va se la refaire. Hein. En même temps, on n'a pas débloqué non plus celle qui se trouve à Port Astral alors qu'on a lancé Port Astral tout à l'heure. Mais on va se refaire un petit Port Astral, c'est pas grave. Ouais. Normalement, si on prend la map, tac tac, la map, qu'est-ce qu'il y a dit la map? Alors, la. Ah, y a pas le pourcentage. L'usine stratégique, on a fait 0% quoi. Le jardin de piété, on a fait 6%. Parce qu'on a trouvé la recette. En gros. Vous voyez qu'il y a aussi des plans pour améliorer les armes? Ouais, on a trouvé 0 plan sur 12. Les armes ou les persos? Il y en avait quand même 12, hein. Normalement. Ouais, ça, je fiche pas trop, ouais. Mais c'est peut-être aléatoire. Et je me rends compte encore une fois. Si je dis pas de bêtises, moi j'ai pas de pièces disponibles. Par contre, je crois que le signe, il en a 201. Ah, vous en avez pas, vous? Non. Et ça faisait pareil dans la deuxième Open Dev. Moi, j'en débloquais à chaque fois que j'étais premier joueur, et les autres, zéro. Ah ouais, j'en ai 201, ouais, exact. Bon, on s'en fout, parce qu'une fois de plus, la progression, l'Open Dev, elle s'arrête dans 48 heures. Oui, voilà. c'est pas fondamental, ouais. Mais dans l'idée, quoi. Effectivement. Et du coup, par contre, je peux aussi redébloquer une nouvelle zone. On n'avait pas débloqué une nouvelle clé? Non, il me parle plus, la dame. Ouais, moi, pièce disponible, 5. Ah non, ça dépend. C'est encore... C'est encore flou ce truc, hein. Ouais, puisque là je vois c'est... Progression de le signe noir. Oui, moi je vois la progression du signe noir, mais je vois pas la mienne. Enfin, moi j'ai rien. Ouais, bah... Ben moi, quand je vois Crystal et Héros, pièce disponible 5, mais... À 0, moi. Peut-être 5, parce que t'as fait le tuto, un truc du genre. Ouais, je sais pas, peut-être. On avait 10 moi aussi au départ, donc. Mais ouais, on a réussi à débloquer aucun plan de toute façon. Oui, voilà, donc c'est pas gênant. Mais ouais, il faudra qu'ils mettent ça au clair pour la sortie, parce que bon, c'est vrai que. Exactement. Bon, je sais pas si ça vaut le punch. Hein. Bah, dans 48 heures, je crois. Hein. C'est le 30, ouais, le 30 qui s'arrête, ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais s'il y a des gens qui veulent le tester d'ici le 30, alors il reste pas beaucoup, il reste 48 heures. Les premiers qui se manifestent dans le live, on leur filera une clé. On a deux clés en plus. C'est vrai qu'on a deux clés disponibles pour l'Open Dev. Donc autant si qu'elles profitent, hein. Bon. Ouais. Plutôt que de les faire dormir. Exactement. Voilà, bon, après dans 48 heures, normalement vous pouvez plus jouer, hein, donc c'est à vous de voir. Voilà, c'est vraiment une clé pour l'Open Dev, mais si vous voulez tester, effectivement. C'est possible. Et on peut jouer en solo, hein. Il y a moyen de jouer en solo et d'avoir des potes avec. Et du coup, vous pouvez échanger de héros, gérer les héros en appuyant sur espace, vous passez d'un héros à l'autre. Donc c'est tout à fait possible de jouer en solo. On se relance un petit port astral. Ah, on a débloqué un autre perso, on a débloqué Fongi. Eh bah, pas moi. Pas moi. Bah, j'ai rien débloqué. Bah écoutez, je vais le prendre. Okay. D'ailleurs, je le vois même pas, ça me dit même pas que tu l'as. Ah ouais, ça nous dit prêt, mais il y a un fond gris en fait. Ah oui, je le regarde sur ton écran, je le vois. Et bah en fait, tu vois, moi, mon écran où j'ai pas encore sélectionné, bah je vois ça. Mais sauf qu'il y a marqué prêt en haut. Pour toi. Quel enfer. Et c'est une dame. Ok, très bien. Bah écoutez, on va tester. C'est une dame, hein. Fongi. Alors ça, par contre, j'avais pas compris. Mais... Bah, elle génère une âme à chaque fois que cette héroïne tue un monstre dans la salle où elle se trouve. Donc, du coup. Donc c'est plutôt un soutien. Et salut Squash, allez, bienvenue sur le live. Je vais tester camarade. Quand vous êtes prêt. Vas-y camarade, camarade. Ouais, je vais prendre le bunker, allez. Alors Dacus, on te demande quand est-ce que on pourra te voir dans Red Dead Online, j'imagine. Oh, Red Dead Online, bah faudrait que je l'installe. Sachant que je n'ai pas la fibre et qu'il fait 100 gigas, il me faut à peu près... Ah ouais. 100 gigas la vache. Ah ouais, il est gros. Il me semble qu'il fait une centaine de gigas. Ouais. Je suis pas surpris, hein. Et au max, je peux t'échanger à 3 mégasecondes.
sachant que je mets pas au max parce que bah, j'ai besoin de faire des trucs à côté, quoi. J'ai besoin de mon internet pour faire. Ah bah. J'ai une vie à côté. C'est ça. Et voilà quoi. Allez, j'ouvre en haut. Let's go. Bon, par contre, on a pris deux persos avec des pistolets. Oui. Bah, tout à l'heure, on avait deux persos avec des armes lourdes. Ouais, c'est passé. Hein. Non, mais vous prenez toujours un style que je. Enfin, vous voulez pas être de mon côté, je comprends. On va te laisser les loups. On prend des armes lourdes. On sait que de toute façon, tu vas aller. Voilà, arme lourde pour toi là, direct. Oh. Ah, mais c'est ça que t'as pas eu le temps de tester. Ouais, c'est ça que j'ai pas eu le temps de tester, ouais. Ah, bah, je l'ai direct, moi, tu vois, comme quoi. Ouais, ah, le visuel est stylé par contre. Ouais. Ghostbusters. Alors, on va peut-être mettre quelques tourelles quand même dans le truc de monstre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ouais, c'est. Tire des arcs électriques qui infligent des dégâts faibles à courte portée avec une vitesse élevée. Et plus efficace contre les robots. Bah, ça tombe bien, c'est des robots. Ouais. Alors, on peut lancer l'amplificateur, le bouclier ou le phosphore enflammé. Oh, bah, faut essayer d'autres trucs, hein, de toute façon. C'est parti. Beau, hein. On est là pour ça, hein. Allez, envoie-nous du rêve avec tes robots là. Ouais, ça va. Par contre, je suis obligé de prendre du dégât parce que courte portée. Alors, moi, normalement. On termine. Attends, parce que du coup, je peux soigner moi. Dans une certaine mesure. Oui. Oh la vache, le dernier monstre, il voulait pas. Hein. Oui. Alors, du coup, si on met genre là, phosphore enflammé. Oh bah courte portée, ouais quand même hein. Ça va. C'est la zone rouge là. Bah je pense ouais. C'est une courte portée qui est intéressante quand même. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le lance-flamme. Allez. C'est pas pareil que le phosphore enflammé. Hein? C'est pas pareil que le phosphore enflammé. Non. J'ai pas trop regardé, je t'avoue, on est là pour on va découvrir. Ah non, le phosphore enflammé on dirait qu'il tire hein. Faut qu'il fait mal quand même l'arme, hein. En vrai. Oh, c'est tellement no-brain quand il y a peu de salle. Bah du coup ouais. je pose un lance-flamme là. Tirer la courte portée qui tire un cône de feu continu. Ah celle-là pour le coup est vraiment à courte portée. Ouais. Ouais. Je suis pas sûr que ça servira. Plus intéressante à la place de celle-là, elle aurait été intéressante. Ouais. Je pense qu'on va c'est remplacer. C'est pas drama, c'est que la première salle. Non. Ouais. Bon, au pire, on a plus d'industrie, c'est pas grave. Allez, hop. Allez, on continue par là. Ok, on va par là. Allez, j'ai excellent tranché. Quand t'es court, fongi quoi. Oui, je savais pas que c'était une meuf par contre, tu vois. Moi, je... Maintenant, je le sais. Ah, encore une salle du coup. Alors, 200% l'efficacité des toins. Des soins. Bah ouais, c'est pas mal. Des toins. Des soins de soins. Des toins, exactement. Ah, eux ils sont faibles à l'électricité. Ah bah oui. De toute façon, oui. C'est le même que l'autre. Bah je vais prendre les soins intensifs, allez hop. Cadeau. On pourrait ne pas ouvrir cette porte là tout de suite pour regrouper les ennemis dans tout cela. On va faire ça. Mmh. On revient à la salle principale et on part ailleurs. Ouais. Attends, par contre, être race, hein. La vache. Ah oui. Tiens, bah en plus ça ramènera par là, donc au final. On peut mettre un générateur et on va remettre. On peut pas mettre d'industrie. Soit on attend. Non, on va mettre une nourriture quand même. Ouais, une nourriture. On a le truc pour améliorer, pour prendre des niveaux, donc autant prendre la nourriture. Il reste une porte au niveau du cristal. Est-ce qu'on l'ouvrirait pas histoire d'être. Ouais, bah ouais, là c'est tout verrouillé de toute façon. On peut pas fermer. Ouais, on peut pas. C'est tout verrouillé. Ouais. Ah bah oui. Bah si, il reste celle où il y a le. Là on est tout à l'heure avec l'amélioration. Alors là on peut le faire par contre. Ouais, là c'est intéressant, ouais. Ah, on peut y aller direct, allez. Bon, faut monter couvrir en haut, je vais peut-être y aller comme il y a des robots et que je suis utile. Ouais. De toute façon, en vrai, on va tous y aller puisqu'ils peuvent pas arriver d'ailleurs qu'en haut. Oui, c'est ça, il y a que cette zone là. Hein. Donc, Ouais, elle est quand même pas mal l'arme. Hein. Ouais, t'as l'air de les ralentir en plus, ouais. Ouais, Ah ouais, l'arme lourde elle a un gros recul. Hein. Oublie pas que tu peux poser tes petites tourelles aussi. Hein. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Hop. Un petit soin. Alors ok, il a récupéré, maintenant faut qu'il revienne. Ouais, alors c'est pire que ça, c'est qu'il vise quelqu'un d'entre nous, donc il faut aller au milieu parce que de lui dire de se connecter, parce que par défaut il se connecte à un de nous, du coup il va venir jusqu'à là. Donc faut retourner à la balle et dire non, tu t'arrêtes. La prochaine fois je propose que tu nous laisses faire, genre que c'est celui qui a la grosse arme électrique qui bute les robots, qui bute les robots. Oui, alors oui.
c'est vrai. C'est pas complètement idiot, quoi. Techniquement, quoi. Ouais, mais regarde, tranquille. Hein, en vrai. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a comme amélioration? 20% de défense, fixe les points de vie du robot cristal à 20 s'il possède moins de PV lorsqu'il quitte une zone. Ou ajoute 20% de vitesse au robot cristal pour toutes ses actions. C'est pas mal ça, hein? Ouais. Ouais, okay, la vitesse. La vitesse. Je peux soigner le héros en échange des âmes que je génère. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, il y a un délire. Alors je l'avais joué hein, pendant le. C'était le nouveau perso de l'Open Dev 2. Je l'avais joué, t'es sympa, tu pouvais soigner ouais, avec des âmes que tu collectais ouais. Bah là c'est ça, à chaque fois que je tue quelqu'un dans ta lanterne normalement je génère des âmes. Et après je peux soigner les ennemis, les alliés. Donc cette salle on va peut-être l'éclairer hein. Cette salle hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui allez. Je pense que c'est rentable, hein. Elle est quand même grande. Ouais puis y a un petit peu des monstres quoi. Oui un petit peu ouais. Alors le lance-flamme juste là ça me paraît pas mal. Attends, par là, par contre, on est un petit peu en voilà. Déj de. Ouais, par contre, source, ouais. Ouais, par contre, ça, c'est vrai. Bon, j'ouvre. Ça nous ferait une porte gratos comme ça. Alors, la journée est continuellement lente, à peine une centaine de livraisons. Apparemment, on va voir ce qu'ils appellent des vacances. C'est un truc que l'on prend. Ça consiste à se tourner les pouces, à ne rien faire du tout. Sérieux, qui a une idée derrière? Qui a eu une idée pareille? C'est sûrement une tradition ancestrale. Allez. Eh bah y'a de quoi construire en tout cas. Ouais, j'avoue. Ouais, encore fermé par là par contre. Et ouais. On va être obligé d'aller en haut là où il y a l'amélioration. Bon j'ai quand même amélioré. Une vague. Ok, je vais la zone en haut hein du coup. Bah ouais j'aurais plutôt dit que tu restais là mais ok. Je vais blinder en bas. Bah y'a deux trucs de spawn électrique là-haut donc. Ouais. Ouais, je sais pas quoi faire. Bon, bah, je reste en haut. On verra. C'est vrai qu'il y a deux spawns électriques en haut. Ouais, en bas, c'est un seul spawn électrique, mais il est quand même assez gros. C'est la merde, tu cries. Ça va. Les tourelles enflammées sont probablement pas les plus efficaces, mais ça fait le taf. Si sinon, Dacus peut venir t'aider. Ouais, hein. Je vais te laisser. Vas-y, moi, je suis tranquille, moi. En vrai, c'est tranquille pour moi. Non, ça va. Ça va. J'ai pris quelques dégâts, mais honnêtement, ça va. Ah, là, ok. On esquive un peu. Il arrive, Dacus. Je suis là. Il me repousse, le salaud. Bon. Dacus, il arrive, il me repousse vers la vague de mon sang. Charge. Charge l'ennemi, ne reste pas derrière. Aïe aïe aïe, elle est où l'autre porte du coup? On a que des portes. Bah elle est en haut, elle est en spawn bleu. Elle est là, celle que j'ai dit tout à l'heure, on va pas l'ouvrir. Ouais. Bah en fait, c'est celle qu'il faut ouvrir. Je vois. Derrière, à mon avis. On a pas une petite recherche? C'est vrai que ça aurait pu. Ça aurait pu. On a une confitourelle et on a une tourelle à acide. Ça commence à nous faire beaucoup de diversité de tourelles, je trouve. Ouais, ou alors après, t'en as combien? Ça coûte 14 si on actualise. Ouais, non, on va rester comme ça pour le moment. Allez, j'ouvre. Et effectivement, il y a le truc pour ouvrir là. Aïe. Hop là. Alors. Celle-là, je pense qu'on peut l'ouvrir sans problème gratos. Ouais, on en a encore une autre, encore gratos. Bah, celle-là va pas apporter grand chose, je pense pas. Bah, en fait, ça va diverser les vagues, ouais. Ah, si, ouais, j'aurais pas dû. Ouais, parce que du coup. Non, vous avez raison, ouais, c'était une erreur. Tu n'as pas pris le temps de réfléchir, ce n'est pas bien. C'est frais. Mais écoute, c'est pas grave, hein, on protégera. Ouais, hein. Bon, on va jouer au talent et pas à l'intelligence, c'est pas. Voilà, c'est ça. On est des PG. T'es en train de dire que je suis con, c'est ça? Ouais. Ouais, je le dis, ouais. Ouais. T'es un putain de nain, ouais. J'hésite pas. C'est pas fou. Trouve pas d'amnène? Si. D'où, voilà. On souhaite un flingue. Combat d'arène, ajoute 10% de poussée à chaque. Pour chaque. Bon, ça c'est pour toi, Damné, je pense. Ah, bah, c'est pris. Vite. Au revoir. Un phosphore ici. Tourelle là. Je te laisse en haut. Je vais à la deuxième salle plutôt, celle où j'ai ouvert. Bon, bah, je reste là, puis il y en a une salle en bas. Je vais en bas, ouais, je vais en bas.
celle où je verrai tout à l'heure. Attends, on a besoin de c'est vrai tellement qu'on peut se séparer là, c'est chaud. Hein. C'est vrai qu'on peut jouer avec tabou vert, donc autant en profiter. Ah oui, à la Diablo, pas mal. Exactement. C'est quoi ma compétence ? Ça permet de surveiller, enfin en tout cas pour moi ça me permet de surveiller. Je prends quelques dégâts quand même. Hein. Y'a rien qui apparaît en bas, c'est bizarre. Ça arrive, hein, t'as des salles qui n'a pas, où y'a pas de vague. Hein. Bah, ça arrive au milieu. J'y vais. C'est bon. Et moi c'est la merde. Hein. Ok, j'arrive. Ouais, pareil. Ah oui, tout de suite le DPS est pas. Attends, j'arrive, je te soigne, Dacu, se bouge pas. Oh, on dirait que tu lances une fronde. Bah c'est un peu c'est ça l'idée. Ouais. Je te lance des âmes dessus. Ouais, c'est un concept hein. Ah, la tourelle qu'on vient de poser, qui a déjà pris un niveau. Ça, c'est bon, ça. 87 de bouffe. Ah ouais, on est bien par contre. Ah, donc on va pouvoir acheter des trucs. Ah, y'a un lance-feu. Oh. Et y'a des armes de poing pour vous quand même. Non, faut que prenez des armes de poing parce que moi je suis chez quand même quelque chose. Alors, on a quoi? Armes de poing. Faites-vous plaisir, on a 80. Remarque, on a 88 en bouffe, hein, donc faites-vous plaisir. Hein. Zut, attends, parce que faut que je l'équipe aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une arme lourde, l'arme de feu. Oh, ce. Ces nuages de feu que tu fais, toi? Ouais, bah je pense que tu vas prendre l'autre, la tienne, et ça fera ça. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais, à ce prix-là, je vais la prendre. Hein. Ouais. Et il est parti, du coup, le marchand. Ah ouais, d'accord, il a plus rien en vendre, il se casse. Ah, d'accord. Il me semble que dans le premier, ouais. Il y a une recette de boisson ici, si vous voulez. Oh, oui. Bah, dans le premier, on pouvait l'utiliser pour vendre, alors que là, on peut pas vendre avec lui, donc... Du coup, nope. Ouais. Ah, d'accord, il y a de la vague ici, très bien. D'ailleurs, est-ce qu'on a acheté la boisson pour tester ou pas? Je l'ai pas prise, non, ça me paraissait un peu compliqué quand même, le truc qui... Oh, pas de soucis. C'était pour savoir. Qui fait des dégâts à nos propres tourelles, c'est quand même particulier, quoi. Je vais voir si on peut pas se faire une recherche vite teuf, là. T'es chaud pour une recherche? Ok. Je vais la réactualiser. On peut avoir la tourelle lance-flamme 2. Ça vous va une recherche? Vous êtes chaud? Ouais. Je ferai une upgrade après par contre, c'est vrai, ouais. Bien vu. Je reste en haut du coup vu que j'y suis. Ah, ils attaquent le truc de bouffe en bas. Je vais essayer d'y aller. Ah non, je peux pas, il y a une porte. Ah, je vais l'ouvrir. Ah, je peux pas l'ouvrir. Ah, si, je peux l'ouvrir. Trop tard. Il se barre, bon bah voilà, tout ça pour rien, j'ai servi à rien, super, c'était génial. Destruction de générateur. Non. Ils attaquent encore un générateur. Ouais, ah, ils attaquent, ils attaquent le truc de recherche, c'est bon. Ouh. Ah, c'est compliqué parce que là c'est très dispersé les spawns. Ouais, c'est ouais. Pour ça qu'il va être temps de se barrer. Ouais. Est-ce que quelqu'un a besoin de soins? Tiens, Damned, viens là. T'es où? Oui, monsieur. Ah oui, Damned. Enfin, madame, pardon. Ouh. C'est tout? Oh. Bah, j'ai pas eu beaucoup d'âmes, écoute, je fais ce que je peux. Je vois ça. Mécano ajoute un cadence de tir et de dégâts d'attaque aux tourelles à chaque fois que ce héros obtient un d'esprit. Ouais. Ajoute 100% de coups de poussée à ce héros, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal poussé. Ouais. C'est fait. Alors moi j'ai quoi? Soigne 0,5. Oh, la régénération de PV, je pense que. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas énorme, mais c'est pas mal quand même. Bon, on va pouvoir envoyer et se barrer, de toute façon on a tout fait. Ouais. Et juste à protéger le trajet du cristal. Est-ce qu'on se fait pas la dernière porte? Non. Pour générer un peu de ressources, mais tant pis. C'est vrai, c'était totalement gratuit, on aurait pu, ouais. Putain, je le repousse bien avec mon lance-flamme. Cela dit, je l'ai fait après coup et ça marche, hein. Ça a généré quand même. Ah bah, si on peut ouvrir pendant les vagues, c'est parfait. Ouais. Il y en a une autre en bas là que je veux ouvrir aussi. Ah bah, il y a un coffre en plus. C'est contre un privé. Ah oui. Et ça a donné une arme de poing, grenadier. Lente bombe de feu qui inflige des dégâts de zone. Pan. Parfait. En deuxième arme au pire. Hein. Ouais. Bah, j'ai laissé mon arme de base.
Ouais, enfin, lente boule de feu, ça va. Pour un truc lent, c'est correct. Ouais. On est bien équipé, hein. Franchement, ouais, franchement, ça s'est bien joué l'équipement dès le début, là. Ça change de la partie d'avant, hein. Ouais. Donc, on a des trucs variés, on sait pas juste des dégâts de base. C'est ça, c'est bon. Salut Dacus. Repli, non, repli. Non. J'ai déjà fait l'expérience une fois, ça m'a suffi. Ouais. Mais un moment, mais j'ai pas oublié pour autant. Ouais. On n'a pas réussi à se faire que le cristal prenne zéro dégâts, mais c'est quand même plutôt propre. Hein. Une fois, on a le bonus héros en vie. Ça change. Ouais. Ouais. Et moi, c'est bizarre. On dirait que j'ai des points de vie temporaires. C'est possible. Bon bah. Ouais. Au moins, y a pas de. Y'a qu'une accès pour la zone du cristal. Ah, ouais, alors. Non, c'est bon, c'est éclairé? Ok, je pense, c'est pas sûr. Terminal de recherche. Bon, bah, si on veut se faire plaisir, ça va être maintenant. Non, par contre, y'a un spawn ici. Là. Ah putain, y'a un petit monstre, j'ai l'école. Merci de décéder. Alors, on a le diagnosticateur. Répare de manière continue les autres tourelles dans la salle. Ah. Alors, ça pour le coup. Sur une grande salle, c'est peut-être bien quoi. Attendez, il y a mieux. Quand cette tourelle reçoit un coup, donc si quelqu'un vient taper le diagnosticateur, toutes les autres tourelles de la salle sont instantanément réparées. Ouais, mais alors ça pour le coup, si on avait pris le café poivré là, c'était overpété. Hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Mais on l'a pas pris. Et sinon, on a le truc qui inflige des dégâts électriques importants aux monstres proches, mais souffre d'un temps de rechargement long. Non, je pense que un petit buff c'est pas mal. Hein. Le diagnosticateur? Ok. Pas ce que vous en pensez, mais. Bon, de toute façon, franchement, c'est gratos là. Y'a qu'une salle. Le no brain, on reste cliqué à tirer là. Non, mais... Ah ouais, là c'est le no brain. Oui, là, C'est fini, Dacus. Oui, mais je suis tellement no brain que voilà. Hein. Ouais, ouais, il faut c'est un temps ça, de. C'est tout. Bon bah. Hop là. Dégâts de lumière. Ouais, le heal il est quand même cool hein. Ouais ouais. Ouais ouais, très utile. Le QG ne répond plus, les ordinateurs sont grillés. Alors, on va mettre de l'industrie quand même. Si on en trouve vite un deuxième, je mettrais bien de la science quand même. Mais bon. Ouais, je suis assez d'accord, une petite science. Ouh, ça va leur faire mal à eux les flammes là. Faiblesse bah, flamme. Ouais. Oh bah oui. Oh bah ils vont jamais sortir de cette salle hein. Bah j'espère. Le lance-flamme, ouais. Voilà. On a beaucoup d'attente envers vous les lance-flammes, hein. Sachez-le. Je vais leur mettre un petit phosphore enflammé supplémentaire histoire d'être sûr. Ah, une petite science là. Ouais, vas-y, ouais. C'est vrai que comme si ça, on peut se faire, on pourra se faire une recherche, je pense, juste après, en espérant que. On n'ouvrira pas la salle proche du cristal. Il y a deux portes en plus. Oui. Eh bah parfait, un module. Ah non, ça coûte 20, faudra refaire. Et on fera faire le phosphore enflammé niveau 2. Je remets un peu de science du coup, vu qu'elle est plutôt bien placée pour ce niveau là. Allez, vas-y, on va essayer de se gaver. On va essayer. Hein. Bon bah faut en rouvrir une, cela dit. Hein. On n'a pas assez, faut 20. Je vous laisse faire. Je reste bloqué dessus, en attendant de voir ce qui se passe, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de spawn. Et encore un module. Allez, un peu d'industrie. Ah, une vague. Si. Alors, ils sont quand même sortis, hein, mais bon. Ouais, mais c'est le gros là qui roule. Lui, il est. Les autres, ils prennent cher. Hein. Mais alors. Bah, remarque, ça fait quand même déjà des dégâts contre les. Le gros est passé, faites gaffe, il va pondre dans l'autre salle. Ah, oui. Je te laisse. J'ai raté. C'est bon, je l'ai eu. Ok. Bon, ça c'est œuf fait. Et après, on aura la confitourelle ou l'acide stabber. Ou le cadeau surprise. Ouais. Ouais. Non, mais en fait, je pense qu'ils ont vraiment. Il manque des icônes en fait. Je pense que c'est un icône qui manque. Quoi. C'est vraiment une nouvelle tourelle quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un one shot ou. Bon, alors ici, il faut un interrupteur. Et en bas. Il faut connecter le cristal dans une pièce adjacente, ok.
Ouais, bon bah voilà. On continuer à gauche quoi. Ouais. Yep. Mais bon, pour le moment. Allez, on va aller ouvrir la grande en bas. Encore une salle et on pourra faire. Voilà. Ah, bah, et vous voyez, j'ai encore le symbole de science. Donc ça doit vraiment être le joueur 1 qui le voit. Ou... Ouais, ouais, effectivement. Est-ce qu'on envoie maintenant? Bah, on file les portes. Ouais, je pense. Parce que si on ouvre une porte ici et qu'il y a un spawn derrière, on va le regretter. Ouais, ouais, t'as raison. C'est vrai. On l'envoie et après, on fera ce qu'il y a. Un petit peu de soutien sur les lance-flammes, mais faut avouer. Vas-y. Là, le gros il est même pas sorti hein, avec le phosphore enflammé 2. Ah, celui-là il a réussi à sortir. On va pas reculer, Dacus. Hein. Ouais, c'est bon. Il est mort, c'est bon, on l'a eu. Allez, on va au cristal. Enfin, on va au cristal. Bon, ouais, ça va, mais. On peut rester à couvrir, c'est vrai. Ouais, bon, je continue de tirer là. Oui, bon, puis ça fait des dégâts. Ça permet de charger les compétences. Ouais, ça nous change des parties précédentes alors qu'on a. Rouvre pas ça, Dame Ned ? Hein ? N'ouvre pas ça, Dame Ned ? Non, non, on est d'accord. Hein. Non, bah non. Pas ça. On va plutôt ouvrir celle-ci. Hein. Allez-y, et je verrai pour lancer une recherche après. Ah bah y'a un cristal à collecter là. Là ça peut être intéressant, c'est faire, concret, hein. On peut le faire, ouais, y'a que deux spawns. Tu veux lancer une recherche pendant ce temps là? Bah vu que ça va faire une vague... oui, ouais... Je sais pas si elles se cumulent les vagues. Je sais pas. Bah on aura la surprise. Vas-y lance, on verra. Ça m'a remis pour le prochain. Ouais, je pense que ça se cumule mais ça se gère. Ouais, il y a deux fois plus d'ennemis qui sortent là de la zone, mais ils sont défoncés. Aucun problème, franchement. J'ai pas essayé le pouvoir de notre bonhomme là. Faut que je m'éloigne parce que le cristal me suit. Connecté, cristal, connecté. Effectivement, le mec se transforme en tourelle quoi. Ouais, t'as testé la méga tourelle. Derrière, ça se fait attaquer derrière. Ouais, je suis en train de m'en occuper, mais j'avais été. Allez-y, je gère moi là. J'avais été araignétisé. Là. Ils commencent à araignétiser les tourelles, donc du coup. Elles ont un peu plus de mal, les pauvres. Bon, bah voilà. Ok, bah voilà, c'est fait. C'est propre. Les prochains coups, on pourra faire dans les tourelles basiques, les lampes à plasma. Ok. Bon, bah écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a comme amélioration? Alors, on réduit de 40% les PV max du robot, mais on augmente de 1 la production de nourriture et de science. C'est chaud quand même. On augmente sa défense et on réduit sa vitesse, bof. On fixe les PV du robot cristal à 20 s'il possède moins de 20 quand il quitte une zone. Ça permet de soigner un peu quoi. Ouais, le premier il est chaud quand même, il est bien hein, mais bah, en même temps, sur nous, pour le coup ils sont tous pas ouf quoi. Ouais, je suis d'accord. On prend le premier pour le plaisir. Allez. Je vais voir sa vie chuter. Aïe 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 sa vie. Oh là là. Elle a pris tellement cher. Moi j'ai rien vu. Ah bah. Ah oui, c'est vrai que chez toi elle est toujours à fond. Bah chez moi elle est à un peu plus de 50%. Ouais. Pareil. D'accord, donc en fait tu vois toujours sa vie max, mais Il a pris des dégâts. Voilà. Ok, bon bah écoute. Il est un peu à droite de la pointe du cristal qui est vers le bas là, qui symbolise la moitié. Pour ta gouverne. Ah, ici on a un truc pour s'améliorer. 10% de défense au héros dans la même pièce, je vais prendre ça, tiens. Alors ici, on peut prendre le phosphore, vu qu'il c'est quand même assez loin. Ah non, merde, j'ai mis une lance-flamme, c'est pas grave. Ben moi je vais prendre, ajoute 10% de cadence de tir au héros, aux tourelles et au robot cristal. Ah. Pas mal. Bon, je pense que là, niveau tourelle, ça va être un petit peu juste. Hein. Donc je vais en mettre, je vais mettre deux lance-flammes à la sortie. J'ouvre la prochaine salle, hein, quand même. Yep. Ok. Interrupteur,
Alors, c'est déverrouillé. Coup, ouais, là on a une salle au milieu. Ah, une vague. Tu t'occupes du haut, Damned, avec ton oui. Laser. Ouais, je reste en bas, je fais des dégâts de feu en plus, donc en bas ça devrait... Pour l'instant ça se passe franchement plutôt bien, on va pas se mentir. Oh, ils sont tellement mais défoncés quoi. C'est monstrueux. Quoi Damned, ça va? Ouais, tranquille. Il y a un gros qui est passé, ouais. Je le poursuis. Viens par là, Damned, que je te soigne. Ouais. T'es où? T'es là-bas. Merci. Attends, j'en profite pour regarder si on peut pas, vu qu'on gère, refaire une recherche. On a les tourelles basiques niveau 2. Ouais. Le holo héros. Le holo héros, ça attire les monstres, absorbe une certaine quantité de dégâts avant de se désactiver. On fera pas ça. Ouais, et après c'est la lampe à plasma. Non, ce que je vais faire, je vais actualiser. Vas-y. Et on va voir. On a le tir d'acide, l'acide stabber, mais on a le diagnosticateur niveau 2 qui répare instantanément. Pourquoi pas, mais il faut ouvrir une salle avant. Ouais, bah pourquoi pas. C'est pas non plus... Voilà. C'est pas monstrueux quoi, mais ça peut aider. Au moins c'est un truc qu'on a déjà. Exactement. Ça met un petit peu plus de possibilités si on tombe sur une salle où il y a beaucoup de choses quoi. Une autre recette. Ah non, un plan. Oh bah, dis donc, enfin. On n'aura même pas le temps d'en profiter quoi, c'est dommage. Eh oui. On pourrait ouvrir là, ça nous ferait une porte gratuite à un moment donné. Bah ouais, je pense qu'il faut. De hein. toute façon, je pense que la sortie doit être là, il n'y a plus que ça. Hein. Ah non, il y a la grosse porte en bas, j'avais pas vu, pardon. Ouais, je vais bah, plus non, la grosse. Vous êtes prêts pour une recherche? Alors attends, dans ce cas là ouais. Je vais mettre une deuxième tourelle là, là. Ah, je peux pas mettre de lance-flammes, zut, on a pas assez. Bon bah du coup voilà. Ah puis c'est des robots en plus. Bah je vais essayer de gérer en bas du coup. C'est parti. Damned. Ouais. Que je vienne quelque part. Ouais, même si les dégâts de feu c'est pas ouf, faut quand même de la zone hein. Tu peux venir hein, s'il y a besoin hein. Non, mais c'est la zone qui est à côté de toi, tu sais, il y en a une autre. Ah oui, ils sont en train de tout péter. Je sais pas. Je vais voir. Non, ça va pour l'instant, ça va. Ils gèrent tranquille les trucs. Hein. Bon, il y a une tourelle qui va péter, je vais la réparer. Voilà, c'est fait. Merde, je suis à terre. Je sais pas pourquoi ma vie ne baissait pas et d'un coup elle est tombée. Oh, c'est quoi ce mec là? Va des rétro serviteurs de l'impérialisme. Ah ouais, les phrases sont assez fun. Le gros, je le défonce, voilà. Bon, Soigne-toi toi-même, hein. J'ai l'impression que je peux pas, en fait. Je peux que lancer... Tu m'as soigné, ouais. Ah, tu t'es... un peu soigné, quand même. Il a un pouvoir, je crois, qui active un cercle de soins. T'as une régène. Ouais, j'ai ma petite régène de base, ouais, mais en fait, ouais, je peux soigner le héros ciblé, mais c'est pas. On ouvre pas celle-là, bien sûr. Hein. Ouais. Ah oui, il y a encore une zone de spawn là, je pense. Ouais. Et en plus, la salle est éteinte, mais on peut blinder cette salle-là, donc. Est-ce qu'on a envie de blinder cette salle-là? C'est pour moi ça? Ouais, arme lourde. Ouais, c'est une amélioration de ton arme de base, la Gatling. Normalement. Elles font plus de dégâts que celles que j'ai quoi. Bah tant mieux hein. J'ouvre là. Ah, on dirait qu'il y a la salle de sortie. Ah ouais. Par contre il y a un spawn ouais, parce que juste là. Ça va commencer à devenir utile d'y aller je pense. Parce qu'il commence à y avoir du spawn là, si ça sort Ouais. Bah ouais, si vous voulez je lance hein. On a deux portes à ouvrir une fois que c'est lancé. Ouais, mais je vais ouvrir déjà celle-là, parce que celle-là, on peut le faire tout de suite. Et après, ouais, ben, let's go, hein, vas-y. J'envoie. Par contre, je pense que je vais pas tenir tout seul la vague. Non, bah...
Moi je fais juste le dans le départ, c'est bon, j'arrive. Ah quoique... C'est quoi ce truc immense là? Oh, y'a un vaisseau. Mais quoi? Un gros oh, robot. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah putain, ouais. C'est chaud. Rectus. Celui-là. Pareil. On prend cher. Hein. Ça devrait aller maintenant, mais Ah, t'as vu, ça a mis à jour les PV de ton robot hein, sur ton écran. Ouais, c'est ce que je vois. Je te rassure, il a pas pris de 100% à ça. Hein. Y'a une porte gratuite qu'on a pas ouverte. On ouvre pas. Donc... Bah, moi j'y vais pas. Hein. J'y vais. Ah, si, je vais vous aider quand même, mais. Je peux pas l'ouvrir. Ah, si, je peux l'ouvrir. C'est bon, c'est ouvert. Mais je repars parce que ça arrive de partout. Ah, juste à temps. Oui, juste à temps. Ouais. On n'est pas méchant avec ces pauvres bêtes, Soren. C'est juste que voilà. On les accueille chaleureusement. Bon, on a pas le. Les attendait en enfer. On n'a pas le bonus héros en vie, c'est ma faute, désolé. Bon, bah là, on a le choix entre colonie de travail et usine stratégique, mais comme d'hab, c'est toi qui décide. Et colonie de travail, bah. Bon, ça me dit que j'ai pas la clé cette fois alors. Pareil. Bah, usine stratégique, on teste. Oui. Non, non. On reprend non, la. Non. Ah oui, non, c'était la. Ah, non, on a... C'était l'usine qu'on avait pris, pardon. C'est ça, exactement. Exactement. Et allons-y pour la colonie. J'aime pas ce jeu où quand il y a des vagues et que ça s'appelle colonie, en général, c'est pas bon signe. Hell yeah. T'as précommandé le jeu en plus, Acus, j'ai cru comprendre. Ouais, moi je l'ai préco, ouais. Bon bah... Alors oubliez pas... Hein. L'occasion de se refaire des sessions. Vous pouvez, ouais, voilà, vous pouvez le précommander si vous voulez, pour aider la chaîne, ouais. Avec le lien que j'envoie dans le chat. Oh, c'est bon ça. Faisez ça, on compte sur vous. Allez, de l'indus indirect, hein. Même ouais, si on en a pas mal. Attends, il y a un truc là, il y a un truc à explorer là. Exact. Ah, c'est saloperie. Alors, c'est sensible à quoi ces merdes là? Je crois que c'est l'acide. Ouais. L'acide, ouais, on n'a pas d'acide. Et ils aiment pas Ils aiment pas les. Enfin, il faut pas leur envoyer de l'électricité. Je vais mettre un petit ralentisseur dans la porte là. Ouais, un petit lance-flamme quand même, parce que c'est... Bon, voilà, hein, ouais. C'est le bonheur. Colis de travail, c'est vraiment super méga top ultra génial ici. Les maîtres nous ont donné un foyer, des choses à faire et le meilleur repas de tout l'univers, de la bouillie. De la bouillie super méga délicieuse. Tout ce qu'ils nous demandent en échange, c'est de travailler la moitié de la journée. Bah ouais, c'est trop bien. Ils sont des fois, j'ai un peu l'impression de profiter d'eux, ils sont tellement gentils. Un méchant. Oh putain, il y a de l'arme lourde. Bon, il a... Ah, alors, il a une... Il a l'arbatare. C'est l'arbalète, voilà. Elle est bien. Faut la charger pour attaquer. Faut trouver son bon rythme pour tirer le plus vite possible avec. Ah non. Ah non, bah, je pensais pas à ça. On trinque. C'est ça que t'as acheté, Dacus? Non, c'est pas ça. Elle est bien, hein. Elle est très puissante, l'arbatare. Faut arriver à trouver le bon compromis charge-tir pour être le plus efficace possible. Mais c'est vraiment bien. Bah, j'irai voir après, du coup. No brain! Ouais. Ah oui, ça a l'air sympa la nouvelle arme que t'as pris d'Acus. Mais c'est une arme que j'avais déjà, mais je l'avais pas trop pris parce qu'on était face à des trucs qui étaient sensibles au feu, donc j'utilise pas trop. Ça fait de la lumière en dégâts. C'est pas de l'électricité la lumière? Non, c'est. Je sais pas trop. Des dégâts lumineux. Donc bon. Non, j'arrive pas à lui parler. Voilà. Alors, arme lourde. Non, ça je peux pas le prendre. Arme de poing. Ah oui, l'arbatard, ok. Poussée bas, affinité élémentaire élevée, inflige des dégâts électriques. Ah, oui, non. Par contre, c'est le problème. Ah, du coup, ça vaut pas le coup dans cette zone. Ouais. C'est le problème. Qu'est-ce que j'ai pris moi? J'ouvre là. Allez, go. Attends, parce que. Pourquoi j'ai l'autre arme? Vous l'avez acheté l'arme lourde? Non. Non, mais non, elle est par terre. Peut pas la... Bah ouais, comment ça se fait, je l'ai pas acheté moi? Bah je sais pas, quelqu'un a dû l'acheter parce qu'il y a un truc par terre donc... Alors du coup... Faut aimer hein. Non, je vais pas le faire. Mettre un petit lance-flamme là, un petit lance-flamme là. J'arrive. Alors
Alors il y a quoi là? Ah oui, des améliorations. Bon, je vais peut-être changer du coup d'arme électrique, je sais pas. Ça serait bien qu'on arrive à mettre de la bouffe. Allez, ouvrez ouais, vos noms qui nous portent. C'est ici. Ah, ah non, il y a un cristal. Il y a un truc à creuser, ouais. Ça va pouvoir se faire. Il y a encore une zone par contre. Faiblesse flamme. Parfait. Par contre, faut éclairer la salle donc. Bah ouais, faire, on peut va, faire, on va les, on va les mettre à la, bah on veut mettre à la sortie là tant qu'à faire, non? Ouais, je veux vraiment, bah, c'est quelque chose d'essayer, ouais, d'éclairer la salle. Bon, je suis pas convaincu moi. On a non, non, mais. Ouais, non, c'est pas. Vous êtes chaud pour le collecter parce qu'il a pas beaucoup de points de vie. Il faut vraiment qu'il prenne pas un pet. C'est pas moi qui ai déclenché. On va faire la vague d'abord. Hein. T'es sûr? On profite pas? Bah, j'ai peur que ça fasse double vague. Hein. On s'en fout, il y a deux trucs et on a ce qu'il faut pour les gérer. Non, okay, il y en a trois. Il y en a un au sud aussi. Ok. Ouais, bah, c'est des trucs de... qui sont faibles, faibles face aux flammes. Non, mais c'est, c'est surtout que quand je vois les PV qui lui restent, moi, je m'inquiète. Oh, mais t'es trop inquiet. Ouais. C'est vrai. C'est la merde chez moi là, c'est grave la merde. Et bah voilà. La vie. En plus il passe là, donc il faut couvrir ici en continu le temps qu'il creuse. Vas-y, vas-y, je couvre derrière. Je couvre derrière. Le robot se barre, mais tue, il faut que tu retournes là-bas. Vas-y, 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 va cliquer sur la zone là-bas. Je couvre, je couvre. Vas-y, j'envoie mon élite, je soigne et vous pouvez pas mourir. Oh. C'est vrai, j'ai oublié que j'avais des tourelles moi, tiens. Mais en vrai, c'est passé hein. Bah bien sûr que c'est passé. Hyper large, oh, quoi. Ça va qu'on fait du DPS hein. Bah bien sûr, j'ai pris ça en compte dans mes calculs, qu'est-ce que je crois. Allez, regardez, on serait mort, il serait tout petit là et on a gagné du coup. Bah ouais, c'est grâce à moi là, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà que c'est ma chaîne. C'était hein, quoi le problème, honnêtement? C'est moi qui gère, donc je fais ce que je veux. C'était... Alors on peut faire voilà, plus d'industrie, plus de science ou réduire la vitesse de déplacement des monstres et leur défense quand ils sont dans la même pièce que le cristal. Oui, non, bah pff, ouais, pff, non. Parce que là maintenant la défense des monstres, hein, en vrai s'ils arrivent dans la même salle, ils le défoncent, donc industrie. Mmh. Ouais. On est bien d'accord. Ça fait un de plus, ouais. C'est pas non plus. Non, c'est. Ouais, c'est. Voilà. C'est... Ouais, c'est léger quoi. Un plus par salle, mais bon. Ça y est, j'ai mis un truc de bouffe quoi, à peu près. C'est pas un spot ça? Non. C'est juste un décor. Non. Une bon, encore en termes de vie, on est bien. On est tranquille. Ah. Oui, ça c'est vrai. Bah, grâce aux soigneurs aussi. Hein. Ouais. Mine de rien, il fait des petits petits soins, mais à force. On okay, le déplace du coup. Eh ben il va falloir hein. Ouais, tu parles. On aura une salle gratuite à côté en plus. Vous êtes prêts? Vas-y. Allez. J'arrive, attention pour gérer là les vagues qui sortent de la salle non éclairée. Vas-y, je gère un peu de près celle qui arrive en bas. Elle est pas mal cette arme que j'ai trouvée hein. Et puis dégâts de zone en plus. Par contre, faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour les barres de vie qui s'enlèvent pas instantanées parce que c'est très stressant. Je pense que c'est pareil, ça doit être un bug. L'affichage, enfin, moi ça me le fait pas donc. Ouais, c'est petite latence, je pense. Une latence avec l'hébergement de la partie, ouais. Genre, ouais là, c'est peut-être plutôt instantané quoi. Non, moi c'est comme la NED, je vois une barre qui est pas vidée. Et... Ouais, ouais, c'est ça, ça met un petit délai quoi. Vous pouvez venir, hein, vous pouvez aller, on peut se déporter au Christ. Waouh. C'est bon, on va le faire. C'est le prix d'araignée. Tout le monde va bien okay. Et moi? C'est vrai que j'ai entendu sa voix, oui, c'est clairement une nana, hein, mais quand il n'y avait pas la voix, tu pouvais pas le savoir. Hein. Là, c'est clair. Ok, bon, bah c'est pas mal ça. Bien yep, géré. On ouvre la porte blanche là. Ben. Ouais. C'est la dernière en tout un cas. Un truc de recherche. Ah bah voilà. Confit tourelle niveau 2 qui réduit la vitesse de déplacement des monstres améliorée. On a aussi le truc d'acide, mais bon voilà. Bah si on veut en faire un, c'est le confit tourelle niveau 2. Ouais bah pourquoi pas hein. Allez. Bah, l'avantage c'est que le cristal est très loin des ouais, vagues. Après l'acide c'était intéressant contre les nids verts. Oui, je sais.
Mais est-ce que vraiment il passe beaucoup ces trucs là? Il passe beaucoup, non, mais il passe. Après, ouais. Ça arrive à gérer. Pour l'instant, ouais, ça va quoi. Mais cette arme électrique, elle nettoie bien, hein, franchement. Hein. C'est pareil, mon petit pistolet lance-flamme, il a quand même un recul correct et il fait des dégâts assez intéressants. Quand ça fait de la zone, hein, de toute façon, c'est toujours intéressant. Alors, on va aller voir parce qu'on peut encore en faire, hein. Pas mal même, enfin encore au moins une ou deux, je pense. Mmh. On a la confiturelle niveau 3. Là, niveau réduction des déplacements, ça commence à être intéressant quand même. Hein. Allez, je pense que ça va nous aider à l'avenir, de toute façon. Yep. Oui. Sachant que pour l'instant, on en a pas vraiment fait, donc on va en faire une ici, ça aidera. Souvent il y a des gros qui arrivent à charger là, donc c'est ça. Bon. Reste derrière, enfin Damné, je m'occupe de. Oui, non, mais je mettais des petites tourelles en fait, bon, au cas où. Et t'avais chopé une amélioration qui permettait de mettre une troisième tourelle, toi, c'est ça? Ouais, dans les trucs qu'on peut payer là. Ouais, les niveaux. Bah, y'a plus de vagues en haut là. Ouais, il reste des gros là. Voilà. J'aime assez, ils sont assez classe avec leur espèce de verre à dents là. C'est ça. Et alors, soit on peut en refaire une, j'ai pas regardé, je vais aller voir le coup, soit ce sera. Je crois qu'on pourra pas en refaire une là tout de suite. Non, par contre, on aura le phosphore enflammé niveau 3 si on veut, mais il faut ouvrir deux salles. Ce qui va largement se faire. Ouais. En espérant qu'on trouve, qu'on tombe pas sur des spawns, ce serait pas mal. De toute façon, celle-là, non ? Par là où il y a le cristal. Ouais. On en a encore d'autres à ouvrir. J'aurais plutôt dit, tant qu'à ouvrir celle-là, autant ouvrir celle qui est pas côté cristal, non ? Parce que si jamais c'est un spawn, il sera obligé de faire tout. Ouais, on peut. Vas-y. Voilà. Ah, merde. C'est un truc de science, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir des coupures à partir de maintenant. Bah, si on... tant qu'on trouve pas la deuxième, non. Ok. Dès qu'on trouve la deuxième, oui. Bon, bah, j'ouvre la. Ah. C'est ça le délire. Un module okay, là, y a de l'industrie, je dirais. Non, c'est pas un spawn ça? Ah non, c'est pas un spawn. Non, c'est juste des corps, ouais. Ok, parfait. Bon bah nickel, on va pouvoir refaire une recherche, du coup, je vais lancer ça. Et... Alors moi je trouve que un ça phosphore niveau 3. Pas mal d'ici. Donc, je vais mettre un phosphore. De plus. Je dois juste me barrer parce qu'il y a un gros qui est passé. Vas-y, je viens derrière. C'est un élite, c'est pour ça que je galère à le tuer, et il pond des élites, le bâtard. C'est un bon, élite, il fait des bébés élites. Il est retourné dans sa zone et Ils me font mal. Attends, je te soigne, bouge pas. Pardon. Enfin oui, non mais t'as raison de bouger mais... Oui, on s'est compris. Oh. Ok. C'est le bordel là. Ouais. Ah putain. Pareil, lui c'est un élite, ouais. Ouais, les élites ils sont un peu chiants. Lance un soin de zone. Oui, c'est bon ça. On reste au chaud dedans. Bon bah voilà. Ah, j'avoue que le petit soigneur quand même il est facile à gérer mais il fait le taf. Hein. Ouais, il est très très bien. Bon bah pour commencer à aller ouvrir là-bas. Hein. Nickel. C'était propre. Mais ouais, les gros quand ils sont élites, c'est chiant. Ouais, ouais. Si on n'a pas la bonne affinité, ouais, c'est vraiment. Surtout qu'ils pondent des élites en plus. Ça, c'est encore plus chiant. Oups, pardon. Oh là, le robot qui est en train d'aider la dame, il était tout gentil. Du coup, il s'est arrêté pour lui faire un câlin et. Il était tout pointu, alors il s'est fait mal au bras. Très bien, super histoire. N'est-ce pas? Bah ouais, par là, hein, pas de choix. Hein. Alors là, vous allez vous calmer direct. Le spawn juste direct, à côté, là, juste à côté du cristal, ça fait pas plaisir. On se l'a dit. Ah, c'est quoi cette icône avec la porte verrouillée là? Cela dit, attends, un petit lance-flamme là. Voilà, c'est bien ça. Je pense que là, on est bien. Là. Tous les lance-flammes là autour, ça devrait faire le taf. Hein. On aurait peut-être dû mettre un phosphore puisque il est quand même niveau 3, mais bon. C'est pas grave. Ouais, mais là ils sont tous proches, ils vont les calmer. Ouais. Ah bah on va pouvoir constater.
Et ben je vais là-haut moi toujours. Je vais rester ici au cas où, c'est moi qui fais quand même le moins de DPS, mais je pense que les tourelles vont gérer. Je mets des petites tourelles par là, hop. Je vais mettre l'autre là-bas. T'as des gros machins qui arrivent sur toi, Damned, les gars. C'est bon. Merci. C'est bon. Les tourelles font globalement le taf en bas. Je prends quand même ok, globalement, dégâts. Ça veut dire qu'il faut un peu de présence quand même. Je pense que si je fais rien, elles doivent crever avant de sortir. Mais bon, ouais. Ouais, c'est juste, elles vont vite quand même. Un petit truc qui ralentirait, ça ferait pas de mal, je pense. Oui, c'est vrai. On n'a pas pensé tout bêtement à ça, alors qu'on l'a amélioré niveau 3 quand même. Hein. C'est quoi? Je vais remplacer celle du milieu par ça. Voilà. Elles vont apparaître ralenties. Ok. Bon, bah ça a fait le taf. L'industrie, c'est quand même pas facile. Hein. Ouais, on a du mal à bien le monter. Ouais. Bah ça descend vite surtout. Bah non, dans le premier jeu, on pouvait spots. Améliorer les. Justement les. Oui, trucs de... ouais, là, avec tu les améliorer, recherche, je peux ouais. Pas, ouais. Mais j'ai pas l'impression. Là, non, apparemment, ça a pas l'air possible. Ouais. Non, tu peux plus. Ok, on va revoir un spot. Peut-être plus tard, on verra. On a un coffre aussi. Bon, c'est encore un spot à truc qui craigne les flammes. Par contre, la salle est éteinte. Petit roi de la... Alors, est-ce que j'en ai un, moi, déjà, d'équipé? Plus du héros. Roi c'est de plus la de colline. Héros, ça quand t'es tout seul, en fait, ouais, plus t'as plus de défense. Seul. Moi, j'en ai pas d'équipé. Pour... Ouais. Il y avait un coffre, là. Il y a un désingueur, une arme lourde. Encore des trucs radioactifs. Ah ouais. Transforme les monstres en un petit tas gluant acide et radioactif. Sympathique. Je vais prendre à la place de ça. Mais je pense que le roi de la colline il est pas mal pour toi Dacus là. Ça plus de défense. Ah, bah. Mais pourquoi pas, de toute façon ouais voilà, c'est ça donne pas de malus donc Allez on va ouvrir celle-là. On va pas tarder d'arriver à la fin, ouais, pas encore. Grande porte, ouais. Ouais, porte à cristal là. Ok. Avec un spawn juste là. Ouais. Ben on a 67 de bouffe, on pourrait faire une petite amélioration chacun peut-être après. Ouais, sans doute. Les kits de soins, je suis pas sûr que ce soit utile. Ouais, pour l'instant on en a deux, c'est vrai que. Tant que t'es là, ça va. Ouais, je pense que ça va passer en bas, je vais aider un peu avec juste un lance-flamme là, ça me paraît chaud. Le gros il arrive à sortir. Ah putain, il a réussi à sortir. C'est bon, je gère. Ok. C'est un peu tendu là-haut, j'ai un élite, mais pour l'instant ça se gère. Non, c'est bon. Ça va. C'est bon. Ah. Attention, ça va arriver dans la grande salle là, Dacus. Ah oui, derrière, exact, merci. Ok, ici c'est bon. Pour l'instant, les deux en bas, ça se gère. Mais c'est bon, je le gère, hein. j'ai géré. Je pense que c'est terminé en bas. On DPS quand même pas mal. Hein. Ouais, on DPS. On est plus efficace qu'à la partie précédente où on était vraiment... Ah ouais, de loin. De loin. Oui. Alors, il est où le truc pour améliorer? Faut faire tout le tour. Ouais, il faudrait qu'on y aille viteuf, effectivement. Parce qu'après, on peut même Je pense qu'on peut ouvrir les salles gratos et se tirer. Hein. Oh oui. Tiens bah, si j'en peux l'améliorer. Hop. Oh oui. Alors, qu'est-ce que j'ai? 40% de PV max, 20% de défense, ou 100% de dégâts renvoyés quand il est touché. Putain, ils sont tous bien quoi. C'est clair que... Je prends ça. Allez hop. Ah, 24 ça m'a coûté. Regarde combien ça te coûte toi Damnet, parce que j'ai déjà fait pas mal d'améliorations moi. Je crois que j'en ai fait qu'une moi. Ouais, bah vas-y, fais d'abord. Ça me coûte 19. Ajoute un camarade tourelle aux réserves. Ah, c'est pas mal ça quand même. Hein. Ouais. J'ouvre un peu les portes pour. 20% de dégâts d'attaque, c'est pas mal aussi. Hein. Prends ce qui te fait envie. Tu es seul maître de ton personnage. Ah, j'ai pris pistolero, ouais. Et tu sais quoi, vu que je suis un gros enculé, bah j'en reprends un derrière et j'ai une tourelle. Voilà, plus vas-y, 20% vas-y. De dégâts et une tourelle. Voilà. Bah vas-y. Bah si vous êtes chaud, j'envoie le cristal à la fin. Ouais, et on va préparer. Ah, on a déjà ouvert les portes gratuites? Je les ai ouvertes. Ouais, ça y est, ouais. Je les ai ouvertes vite fait pendant que vous faisiez le truc, histoire que les vagues se déclenchent pas. D'accord. Enfin, je me demandais comment est-ce que Damned avait réussi à prendre des améliorations, je comprends mieux.
Oui, ça doit être ça. Large passé, hein. Voilà, sachant qu'on est tous dans la salle et qu'il n'y a pas grand chose qui arrive et que le cristal va commencer à ouvrir, franchement. Ouais. Il y a de l'élite qui arrive là, mais bon. On est pas mal en industrie en plus. Ouais, bah, l'arme que j'ai pas mal. Alors, l'arme que j'ai fait un peu moins mal que les rayons de tout à l'heure, mais j'ai un avantage quand même considérable, c'est que je peux tirer bien à distance quoi. Donc je prends parce que l'autre il fallait vraiment être trop au corps à corps quoi. Il est pas encore en train d'ouvrir là. Si, ça y est, il a quasiment fini. Oui, parce que je vois pas sur mon écran. Il a ouvert la salle. Allez, go. Il est en train de se déplacer. Ah oui, on voit toutes les tourelles se désactivent quand il sort. Ça pique un peu. Bisous. Oh, tellement facile. Ah ouais, j'avoue, là c'est bien passé là. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un peu de soin? Bah je crois même pas. Je vois pas sur mon écran vu qu'il y a le truc de score. Non mais moi il me semble que je suis quasi... Ouais, non, je suis à fond. On est fou. On est fou quoi. Ah, on est bien. Bon bah bisous. Ouais bah bon retour chez vous ouais. Allez j'enchaîne. Ouais ouais bah il faut là. Allez industrie. Une industrie, vas-y ouais direct. On a 50 d'industrie c'est propre. Après je pense qu'il faudra ouvrir à côté du cristal. Ouais. Là en plus c'est éteint. Oh, ouais, on a éteint premier générateur quoi. Ouais, premier générateur de science donc dès qu'il y en a un autre, boum. Ah moi c'est bugué ici, j'ai le truc d'explosion qui apparaît mais il disparaît des fois. Ouais, il y a des petits bugs hein, comme ça. Hein. Bon, c'est un petit bug graphique, ça gêne rien mais voilà. Ah, il y a le deuxième putain, il y a le deuxième générateur. Ah direct. Un coffre. Donc à un moment ça va couper hein. Un coffre et un spawn. Bon, un spawn un truc qui crame. Et wow, ok. Et c'est par une contre... boisson. Yep. La salle est éteinte là. C'est bien dommage ça. Je pense que je vais mettre un ralentisseur juste là. Oui, ouais. C'est bon ça. Un lance-flamme à l'entrée de la salle là. Un phosphore au fond. Et je pense que bah ça, devrait les... ça devrait les calmer. Ouais, pour commencer, ça devrait être pas mal. On n'a pas beaucoup de modules installables. Ouais. Ah non, par contre ça se raréfie. On peut faire du level là, allez-y. Alors, parce que moi, qu'est-ce qu'on a? 10% de vitesse de déplacement au héros dans la pièce. On va ouvrir en attendant. Enfin, je vais ouvrir en attendant. Tiens. Si le héros ne subit aucun dégât pendant 4 secondes, le prochain coup qu'il subit inflige un seul dégât, ok. Ah coupure. Pardon. Enfin, je sais pas si c'est moi en fait, mais c'est au top. Objectif celui-là. Je vais gérer la vague de monstres, je vous laisse faire, je vous laisse faire. Je vais activer l'autre. Attends, mais vu comme je trace, c'est moi qui m'en occupe. Hein. Comme tu traces. Je me traîne le cul à côté, moi. Ah ouais, non, mais elle a une vitesse, c'est impressionnant, quoi. Non, non, oui, je pense qu'il y a aucun problème. C'est moi qui fais gérer ces événements. Tu m'étonnes. Oh la vache. According to my needs. Encore un coffre. Une arme lourde canon pour électrique. Toi. Électrique. C'est pas le même que j'ai. Peut-être, hein. Ah non, c'est autre chose. Oh, ouais, mais putain, mais... Pff. Bien choisir. Ok. Un autre coffre. Tiens, là on peut foutre un petit truc à ralentir, parfait. Là. Oh là là, il y a des gros machins là. Le gigabombe. Rien qu'au nom, j'ai envie de l'avoir celui-là. Arme lourde, lance-feu. Arme lourde, gigabombe. J'avoue, ça tombe encore pour toi. Hein. Je sais déjà pas comprendre. C'est dommage qu'on puisse pas les revendre. Hein. Ah ouais. Ah bah le gigabombe, je sais pas, oh, rien que pour le plaisir du visuel déjà. J'avoue que visuellement il est fat. Vous voulez un petit feu d'artifice? Vas-y, fais-nous plaisir là. Ah, attends, ouais. Où ça manque de bruit vénère, ça fait gentil quoi, mais... Ah bah en plus c'est un sacré sacré fréquence de tir quoi. Ouais. Et y'a une recharge ou c'est en continu C'est en continu. Oh la vache. Ouais, c'est pas mal hein. Bon, on a quelques salles éteintes là. Ah bah voilà. Ouais, qu'on approche. Je gère celle qui est à gauche. Ouais bah je vais gérer là où je suis. Je pense que ça devrait aller. Rien qu'avec les tourelles. Le pire truc qui peut arriver là, c'est qu'on ait une extension de feu. En même temps que la vague. Ouais bah on en a un qui est juste à côté. Moi je suis... on est tous les deux à côté d'un par contre. Ouais et puis comme je cours, j'irai de l'autre côté. Mais par contre, ça serait bien que tu dises pas ce genre de mots.
Ouais, c'est, il a raison. Oh. Toi aussi t'es pas joueur finalement. C'est vrai. Oh, le phosphore enflammé, il est tellement énervé quoi. Ouais, j'avoue, le phosphore enflammé, il a presque géré une salle à lui tout seul. Hein. Même le lance-flamme, je crois qu'il s'est pas déclenché en fait. Aïe aïe. Ah. Ah bah voilà. Je réactive celle qui est à côté de moi. C'est fait. Voilà, tranquille, rapide. J'ai un interrupteur ici, j'active. Ok, fait. Alors il y a un spawn là. Ah, la suite c'est re dans la salle du cristal en fait. Ah oui, on a tout fait en bas. Ça c'est une salée. Eh bah oui. C'est... Ah ouais. Ah bah tiens, un peu de brume. On a tout géré. Ouais, là. Faut aller faire. Faut on aller dans la salle du cristal. Ok. Pour bah, la écoute. Suite. Donc la suite c'est pas du tout là où on a tout ouvert. C'est pas mal. Bah ouais. La grande salle. Ça s'allume. Ok. On a quand même 4 de brume là. Hein. Ouais, c'est intéressant. Ah bah parfait, là, un petit confitour Elvus là. Tu lances là. En tout cas, alors c'est tout bête hein, ce que je vais dire, mais je salue le doublage des voix en VO parce qu'elles sont vraiment cool pour chaque personnage, je trouve. Hein. Ouais, c'est globalement la DA et tout ce qui va avec, musique et compagnie. Ouais. Non, mais franchement, j'allume. Je suis assez agréablement surpris. Hein. On a un truc même... de recherche là. J'allumais la salle. Très classe. Alors, lampe à plasma, dégâts électriques, dégâts radioactifs ou dégâts électriques. Donc c'est pas ouf. Hein. Une vague. Non, après on pourra le réinitialiser, on a 89. Hein. Je le réinitialise. Ouais. C'est de nouveau des trucs tout neufs. Tu pourras le réinitialiser si tu veux. Ah, c'est terrible, je vais tellement vite, ça fait tellement plaisir. Ah, le lance-flamme niveau 3. Allez, c'est parti. Ah oui, t'es plus là-haut d'Acus, d'accord, oui, il faut que j'aille gérer. Non, ah putain, j'ai pas vu. C'est pas grave. Oui. Là, il prend cher le cristal ou c'est moi? Oui. Ah les, oui. Les gars, ouais. Ouais, je pensais qu'il y avait d'Acus en haut, moi j'étais allé gérer ma salle, mais en fait. Non, j'étais parti en bas. Bon, là ça va, le combo il fait le taf là. Le cristal là c'est chaud par contre. Hein. Ah, il a un petit peu souffert. Prend un dégât. Ah, je peux pas lui jeter de soin dessus. Non. Ça tu peux pas. Bon, par contre, niveau tourelle, je pense qu'on commence à être bien. Putain, on peut même pas le soigner, c'est tellement les boules ça. Ouais. Y'a peut-être un moyen de le soigner. Hein. Je crois pas. Oui. Bah, avec certaines améliorations peut-être. Ah, bah, on a la sortie. Bah, let's go hein. On a rien d'autre à ouvrir, une recherche peut-être vite fait pendant qu'on y est. Non, on n'a pas ce qu'il faut. Bon bah j'envoie. Ouais en vrai ça devrait le faire. Oh, je pense que ça va le faire. On a quasiment que là, vraiment bloqué. Ouais, fais gaffe hein, quand même la première salle au cas où. Une fois que la première salle il est sorti, c'est bon. Normalement, au pire quelqu'un vient avec... Ouais, encore, ça devrait aller. C'est bon, faut se replier d'Acus. Ouais, je pense que ça sert plus à rien de rester là. Y'a plus personne là? Non, ils sont défouillés. Attention, parce que là ça ils arrive sont par dépouillés. Contre. Faudrait pas qu'ils passent. C'est rapide voilà. En plus. Salut Kitaro. Ah. Ça. Ah. Ah. Sortez pas de ma zone. Ça devrait être mieux maintenant. Et c'est ouvert. Une nouvelle zone qui rejoindra notre cause. Donc cette fois on descend un étage. Voilà. Ouais, c'est ce que je me disais, on n'a pas de boss, mais c'est quand même gagné. Ouais, il y a pas eu de boss. Donc on a deux étages a priori pour. Qu'est-ce qu'on est bon. Il est mort notre cristal. Vous avez réparé dans le stade ou dans l'endroit où vous étiez juste avant la dernière partie, toutefois ce que vous avez accompli durant cette partie était enregistré. D'accord. Ok.
très bien. Ah, je vais tout lentement. Pas faire OK. Je vais tout lentement. Bah, je me suis fait éjecter, moi. Ah ouais. Il y a encore des petits problèmes de synchro. Bah, en fait, on a un message, on peut pas l'enlever. On peut pas. Si t'appuies sur échappe, ça affiche le menu, mais du coup, tu peux pas cliquer. Je crois que t'es obligé de. Ah oui, je vois que Dacus n'est plus là, visiblement. Ouais, moi, je suis dans le hub. Attends, je t'invite. Ah, mais moi dans le hub, je peux même pas. Ah, t'es là, ok. Si, c'est Damnet qui est pas là. Ah, mais j'étais obligé de relancer le jeu parce qu'en fait, le message, je pouvais pas le fermer. Ah, donc, tu me dis quand c'est bon, je te réinviterai. Yes. Alors, on a débloqué le Harvey Headbanger et le Bloody Melee. Alors, le Bloody Melee applique les effets suivants pendant 10 secondes lorsque vous utilisez un kit de soins. On peut plus se déplacer, réduit de 100% la défense. Ah non, réduit de 100% la défense, pardon. Mais on a une immunité totale. Ok. Ah, c'est bien, j'ai relancé le jeu et ça m'a mis un message. Voulez-vous rejoindre la session dans laquelle vous étiez précédemment? Ah, c'est pas mal. J'ai fait oui. Mmh. Et du coup, normalement, j'arrive direct dedans. Bon, la boisson, elle est particulière. En gros, les kits de soins ne nous soignent plus, mais on prend plus de dégâts. Par contre, c'est les monstres, quand ils nous tapent, ils nous soignent. Pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes? Pendant 10 secondes, ouais. Ah bah non, ça marche pas, ça m'a dit la section n'existe plus. Ah bah je te réinvite, attends, je regarde l'autre qu'on a débloqué. Oui, vas-y. Réduit de 90% les dégâts d'attaque, confère 60% de poussée, confère 15% de vitesse de déplacement, plus 25% d'esprit, et plus 100 d'industrie générée. Donc en gros on fait 90% de dégâts en moins, par contre on a plein de buffs. Allez, les boissons c'est vraiment les trucs... Waouh quoi, faut les prendre... C'est ça. Quand t'es chaud. J'arrive, hein. J'ai pu rejoindre direct en cliquant sur ton pseudo Steam. C'est bon, on te voit. Ah ouais, c'est okay. Sûr. Et du coup, on a débloqué un plan. C'est vrai, ça. What do we need? Alors. Plan non trouvé, plan et non trouvé. Du coup, le truc qui soigne quand tu te fais taper, c'est genre. Tu l'actives comme si c'était un soin, et pendant 10 secondes, si tu, quand tu t'es tapé, t'es soigné. C'était marqué à la place du kit de soin, ouais. C'est ça, ouais, d'accord. Bah disons que c'est le kit de soins qui applique ça maintenant. Quand tu le lances, ça te soigne plus, ça fait l'effet. C'est ça. Mais ça a acheté comme si t'avais un kit de soins, j'imagine. Ah oui, bah c'est toujours... Mais c'est toujours un kit de soins en fait. Ouais, c'est un kit de soins, mais ça marche différemment. C'est voilà, ça, ça transforme le kit de soins en un truc qui fait que tu prends des points de vie au lieu des dégâts, quoi. Intéressant, ouais, faut... Ouais. Avec Fungi, ouais, avec Fungi, ça peut se faire, quoi. Donc il y a effectivement un plan, enfin moi le plan que j'ai trouvé c'est pour Bunker, mais j'ai pas de pièces à utiliser, donc... Ah, il est pour Bunker? Bah moi j'ai rien, j'ai plan non trouvé partout, moi. Moi j'en ai trouvé un pour Bunker, c'est une puce nano 100 qui ajoute 20% de PV max à ce héros. Voilà. Ah. Bah, je peux moi, acheter avec des pièces, mais comme j'ai pas de pièces... Moi ils sont tous en plan non trouvé, donc... C'est peut-être sur une arme, non? Non, j'ai regardé toutes les armes, mais... Ah. Et j'ai rien, donc ça veut dire que c'est peut-être un perso, une arme que je connais pas. C'est encore un peu bugué, je pense. Ou je l'ai peut-être pas ramassé, mais il me semble que non, ça m'a dit que j'avais eu un plan. Ça veut dire que du coup on a fait toutes les zones là? Est-ce qu'on a fait le noyau? Non, je crois pas qu'on ait fait... C'est quoi le noyau? Bah, le noyau, après, normalement, c'est le dernier truc on est censé arriver pour pouvoir relancer la station et se tirer, justement. Sur l'héros, il y a les puces disponibles en plan, mais il y a aussi sur le héros, il y a deux plans. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Même peut-être trois. Mmh. J'ai un truc qui ressemble un petit peu à un vortex. Ils sont un peu planqués sur l'image du héros. What do we need? Ah oui, t'as raison. Il y a des trucs sur le... Bah ouais, mais ça, normalement, c'est pour... Une fois que t'as débloqué une puce, tu peux la mettre là-dedans. Tu dois pouvoir les équiper, ouais. C'est pour équiper les trucs. Pour équiper, en fait. Pour équiper, peut-être, oui. Mais moi, oui, tous les plans, ils sont en non trouvé. Donc, soit j'ai trouvé un truc qu'on n'a pas débloqué. Est-ce qu'on a débloqué l'autre héros? Non, on a que 4 héros toujours. De toute façon, c'est marqué quand tu vas améliorer les héros et que tu te mets sur le robot. Les autres joueurs de la session ne semblent pas avoir débloqué d'autres personnages. En fait, ça les prend que pour toi, en fait. Ouais. Alors, j'espère dans le jeu final, ils vont régler ça, hein, par contre. Ouais. Mmh. Parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Mais non, c'est triste. Ah bah, ouais, enfin, non, ça donne pas envie de jouer en multi au final. Bah non, c'est clair. S'il y a que le host qui débloque. Ah ouais. Que ce soit aléatoire, que l'un des trois joueurs débloque quelque chose, ok, pas de soucis, tu vois, c'est aléatoire. Oui. Mais que ce soit que le host, non. Ça, c'est non. Ouais, c'est clair. C'est normal, hein.
Bon, du coup, on aurait débloqué 12% du port astral. Et 6% du jardin de piété. Bon, ce qui veut pas dire qu'on a les 100% dans l'open access, dans l'open dev, hein, évidemment. Oui, oui, c'est clair, c'est pareil, les autres zones, là, typiquement, il y a sans doute une autre zone de départ qu'on pourrait prendre, mais est-ce qu'on peut trouver ce qu'il faut? Ça, je ne sais pas. Ouais, j'ai toujours encore un peu de mal à comprendre la map, comment elle fonctionne. Effectivement, comme tu dis, le noyau, c'est le lieu final, mais... Si, mais ça me paraît assez logique. Sur l'extérieur, c'est les points de départ. On a les petits chemins qui nous permettent d'aller à droite ou à gauche, quoi. Ouais. Ouais, mais à quel moment, à l'usine stratégique, on aurait pu trouver un endroit qui nous amenait à l'incubateur? Et de l'incubateur, non, là, visiblement, dans l'open dev, on pouvait faire que deux niveaux. Donc je pense que pour l'instant, il n'y avait pas moyen, tout ça. Ah oui. Ouais, donc l'incubateur et le noyau, tu peux pas y aller, quoi. Je pense que pour l'instant, non. Après, c'est pareil, techniquement, depuis le port astral, on aurait dû pouvoir aller qu'à la colonie de travail. Et on a pu aller à l'usine. Enfin, il y avait moyen d'y aller. Après, on n'a pas essayé, donc ça se trouve, c'était pas possible. Exact. J'ai pas essayé de cliquer dessus. Ok. Non, mais ouais. Bon, après, ça reste une open dev, hein. Oui, oui, là, franchement, le contenu est, voilà. est déjà assez fun. Hein. Ouais, c'est cool, hein. Franchement. On a vu un boss, enfin, franchement. Bon, pas sur cette session, mais la session précédente. Ouais, mais c'était pas mal, c'était sympa. C'est vraiment cool. Ouais, ça donne envie après d'avoir. Enfin, qu'ils améliorent ça, d'avoir le jeu, et puis de pouvoir s'amuser à aller vraiment débloquer du contenu. Ouais, ouais, ouais. Pour de bon, booster les héros, avoir accès à tous les héros, tout ça. Ouais, mais déjà, je trouve les gameplays des héros sont assez différents au final. Même avec les mêmes armes et tout, c'est quand même pas mal, hein. Ouais, 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 tout à fait. Blaze, il faisait quoi? Créer une mine. Ah oui, qui pose à la mine, tire plusieurs missiles qui frappent les monstres. Et une chance d'infliger des dégâts de feu supplémentaires. Ah oui, donc le truc de feu aurait été efficace en fait avec Blaze. Même si t'as pas d'arme de feu, t'as des chances de faire des dégâts de feu du coup. Tout à fait. Bah, ils sont tous bien, ils ont tous leur utilité. Ouais, oui, c'est clair. Ouais. J'espère qu'on pourra jouer à 4 dans la version finale. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu, tu crois? Non, c'est 3. C'est 3? Ok, d'accord. C'était pensé pour 3. Ouais. Le jeu a toujours été annoncé pour 3. Il sera à 3, celui-là, ouais. Bah, je pense que ça déséquilibrait un quatrième perso. Enfin, maintenant, j'imagine, vu comment ils ont pensé le jeu, je pense que s'ils mettent un quatrième... Oui, c'est vrai que ça change quand même pas mal d'équilibre. Maintenant, en tout cas, c'est trop tard pour mon avis. Et par contre, c'est marrant parce que en débloquant des trucs, on débloque des choses dans le saloon. Tu regardais, il y a plein de petits souvenirs à droite à gauche. Des objets qui sont apparus à droite à gauche. On peut lire, ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ça va. Oui, il avait pas su. Non, j'avoue, c'est sympathique. Bon, est-ce que vous voulez qu'on se refasse une petite session? Vous on s'arrête là, je crois que t'avais parlé d'un... T'avais un truc après Dacus, il me semble. On avait dit jusqu'à 19h, donc... Normalement, c'était 21h, mais bon, après, si vous êtes chaud pour une session, pourquoi pas, moi, après... Moi, je suis open, hein, si on peut en faire une, si vous voulez, je suis tranquille, moi. Dans ce cas-là, je coupe la VOD, puis on se relance sur un autre. Allez, let's go. Ciao, ciao, la VOD, et à bientôt. Yep.